pas à l'hôtel Sofitel. Il est bel et bien ici. Il me dit ouais, mais madame, on ne saura pas vous dire, c'est là, c'est bon. C'est ici qu'il est. C'est ici. Ah ouais, vous avez vu la police qui est en train de garder là. C'est ici que le roi Satan est. Biabi Vondor. C'est ici qu'il est, n'est-ce pas? Il n'est pas à l'hôtel. Il n'est pas au Sofitel. Bon, j'avais la bonne information. Ouais, hôtel. Intercontinental. Hôtel Continental, c'est ça? Ouais, vous voyez, il est toujours à l'hôtel Intercontinental, hein, ce billard. Hein? Tu as un radar dans la voiture diplomatique. Ouais, je sais qu'il y a un radar, j'ai bien vu. Vous avez vu mes frères camerounais, voilà où Bia est. Hein? Ce monsieur, il adore l'hôtel intercontinental. Vous avez vu, hein? Il n'est pas à l'hôtel machin là, au Sofitel. Non, il est bien là. Comme vous voyez là devant, c'est la voiture diplomatique avec des radars embarqués. Vous avez vu la police? Ben, nous sommes venus défier Bia. Nous sommes venus défier Bia. Je vais aller un peu déranger la police là. Nous sommes venus défier Bia. Si vous êtes là, c'est que c'est forcément ici qu'il est là, le président. Ça peut être n'importe qui, monsieur. Bah, on ne sait pas pourquoi la France va accueillir les dictateurs. Pourtant, dans mon pays, il n'y a même pas d'hôpitaux, il n'y a rien du tout. Monsieur. Nous sommes obligés de prendre la mer et la France va toujours accueillir les dictateurs. Monsieur, ça, on est vraiment... Vous savez le nombre de personnalités qui viennent? Bah, il y a la voiture diplomatique de l'ambassade du Cameroun, là. C'est l'ambassade du Cameroun, ça, je crois. Oui, c'est l'ambassade du Cameroun. Alors, ça veut dire que c'est ici qu'il est. C'est l'information qu'on voulait avoir. Ah, vous avez déjà vu, ça commence à se mettre en place les renseignements. C'est ici que Bia loge. Voilà. Si vous croyez que nous avons peur de la police, vous vous trompez. Hein. Nous n'avons peur de personne. Je vais vous montrer la voiture diplomatique de l'ambassade du Cameroun avec un radar embarqué et des caméras presque partout pour nous filer. Mais la police française, ils ne sont pas nombreux. Hein. Du coup, j'attends le renfort, mes frères. J'attends le renfort. Il est à l'hôtel intercontinental. Vous voyez? Vous avez vu? Et voilà, ces voleurs-là, ils sont là-dedans. Ok, la famille, je vous laisse repartir chez Max. C'était juste pour vous montrer que nous sommes là, en plein repérage, et que nous n'avons peur de rien. Voilà. On va s'arrêter aussi devant le Sofitel. Oui, on va devant le Sofitel là. Mais nous sommes à 90% ceux qui sont là. Nous sommes à 90% sur. Voilà la voiture. Voilà la diplomatique. Hein. Bien ici. Ouais. Bien est là. Regarde, il refait notre plaque. Qui lise? Lise la plaque, ouais, on sait. Qui lise? Il nous refait. Mais il n'y en a que deux. À l'hôtel Sofitel, il n'y a pas de policiers. Non, il n'y a personne. À l'hôtel Sofitel, il n'y a pas de policiers. Ma chef m'a bien dit Hôtel Dieu. Voilà, moi-même, j'ai eu l'information Hôtel Dieu. Je lui ai dit tout à l'heure que c'était Hôtel Dieu. Sofitel, j'étais où? Après, on me dit non, c'est Sofitel. Non, c'est ici. Parce que quand j'ai voilà. Eu Léonore, je t'ai dit que vous êtes assis à Hôtel Dieu. Voilà. Moi-même, j'ai dit à Léonore tout à l'heure que j'ai l'information et c'est Hôtel Dieu. Elle me dit non, c'est Sofitel. Le chef m'a dit, mais vous êtes assis. Mais attends, on me dit Hôtel Dieu. Il a détruit tout le Cameroun, mais Max, je ne peux pas te garantir, mais j'ai confiance, nous avons confiance. Bien est à l'Hôtel Dieu, il n'est pas à Sofitel. C'était une fausse information. Les Sardinats nous ont donné cette fausse information là, croyant que nous allons tomber dessus. Non, Hôtel Dieu a dit qu'il était à Sofitel Intercontinental. Moi, je me disais qu'ils ont mélangé. Je t'ai dit tout à l'heure que
C'était Intercontinental, pas Hôtel Dieu. Tu peux pas passer par là parce que c'est, tu es à l'opposé. Non, tu peux pas. C'est en venant qu'on l'a vu. Il n'y a personne. Pourquoi devant, pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que tout le, la compagnie créole n'est pas là? On est entré à l'hôtel aujourd'hui là. C'est pas possible, Marc. C'est que tout de suite là, on est entré à l'hôtel. Combien d'entrées il y a là-dedans? Oui, je sais, j'ai vu. La magie. J'ai vu tout le long couloir qui est là. Bon, comme il y a une galerie marchande là, il faut qu'on vienne là-dedans. Mais c'est sûr que l'hôtel ne donne pas sur la galerie. Non, l'hôtel ne donne pas sur la galerie. Sinon, ce serait trop compliqué. Même le monsieur qui est sorti là, c'est parce qu'il t'a vu, hein. Ah bon? Oui, oui, celui qui est sorti, qui est entré dans la voiture diplomatique là. Mmh. Il parlait devant moi, il parlait comme un Camerounais quand il passait au téléphone. Il était au téléphone tout à l'heure, non? Mais frère, nous sommes en plein repérage. Ça, c'est la chasse de Biya. Mais je peux vous assurer, vous avez vu avec moi que Biya est à l'hôtel Dieu, hôtel Intercontinental. Maintenant, nous allons au Sofitel, nous rassurer s'il est vraiment au Sofitel. Mais non. Mais non, il est à l'hôtel Dieu. Attention. Hein. Attention. Non, si j'ai mis mon téléphone. Non, c'est la trottinette. La trottinette, oui, ils sont fous. Hein. Voilà, Paul Biya, tout ce qu'on te demande, c'est que tu le libères. Il faut le laisser. On ne savait pas que c'est comme ça que tu allais faire. Il faut le laisser. À cause de Aïdjo. Les gens sont vaches. À cause de Aïdjo. Eh hey, mon Dieu, les Camerounais nous sont... C'est Genève. Moi-même, je n'ai pas les photos de Genève. Ah, ça peut je fais quoi ici? Elle est retour sur Facebook. C'est à cause de Biya. C'est à cause d'Aïdjo. On ne savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Ma fille, si à Genève, elle était malade. Elle dit qu'elle n'est pas montée pour chasser le président. Elle dit que ma chérie, tu vas venir mourir. Karine, Karine, c'est une guerrière. C'est une guerrière. Tu vas venir mourir. Je suis avec votre femme de la matinale, la maman de la matinale. Il fait noir, je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir. Je suis noir moi-même. Non, c'est dans l'obscurité. Voilà. C'est dans l'obscurité. Vous avez vu la maman, non? On a que de dire à Biya qu'il faut le laisser. C'est à cause de Aïdjo. You cut. C'est à cause de Aïdjo. On ne savait pas que c'est comme ça que tu allais faire. Que papa va te reposer. Va te reposer, tu es fatigué. Papa, comme te sauve-nous. Ouais, papa, calme-toi, tes enfants t'appellent, oh, le Cameroun t'appelle. Viens nous sauver. Viens nous sauver. Viens nous sauver, papa, calme-toi. Voilà, nous sommes à la recherche, comme vous pouvez bien le constater. Nous voulons nous rassurer. C'est le vieux. Nous voulons nous rassurer où il est. Nous avions eu la bonne information. Nous avons eu la bonne information. Regardez. Regardez, il y a deux ponts à même pas 500 mètres. Voilà, de l'autre côté, il y a un autre pont. On appelle notre mère le bâtisseur de pont, le lanceur de pont. Vraiment de Dieu. Il y a encore quelle? Non, ça dépend de l'Ayat Hotel là. Le Ayat, il est où? On est juste dans le... La voiture qui est là, c'est diplomatique, c'est camerounaise. Hein? Où ça? Où on était là? Et le monsieur qui est passé devant moi, c'était un Camerounais. L'information que j'ai eue en journée, c'est que Biya était à l'Intercontinental par Dieu. Hôtel Dieu. Voilà, on se rassure s'il est au Sofitel. Oui, on garde, on va à pied, on se rassure s'il est au Sofitel. Parce que là, on n'a pas peur. On n'est pas là que... Ouais. C'est pas le plus grand. Mais tu vois, devant le Sofitel, il n'y a personne. Non, c'est trop petit. Il ne peut même pas loger là. Ah bon? Non, il y a eu des informations. Allons vérifier. Non, il ne peut pas loger dans un hôtel où on paye la chambre à 100 euros. Allons vérifier. Ça, c'est le Dieu de Lyon qui a fait tous les hôtels. On fait quoi? On parle là où on ne parle pas? Non, c'est pas que le. T'as dit qu'il n'est pas. On a mangé, regardé tout à l'heure. Ouais, il y avait deux taxis. Quand il vient loger au Hayat Hotel, tout ça. Bon, comme vous pouvez voir, voilà le Sofitel, comme vous le voyez. Nous sommes déjà passés devant le Sofitel et il n'y a aucune garde qui prouve qu'il y a quelqu'un, une personnalité. Par contre, à l'hôtel Intercontinental, l'hôtel Dieu, si bien là, et vous avez pu voir la voiture de l'ambassade, vous avez vu aussi les policiers là-devant. Bon, vous savez exactement où ils se trouvent actuellement. D'abord, je me fie à la première information que j'ai eue en journée. C'était
l'hôtel Dieu. On fait comment, ce gars? Oui, garons-nous, on va vérifier. Non, non, il y a une place, non. Garons-nous, on va vérifier. Hein? On bouffe le bateau, là. Ouais. C'est un bateau. Non, non, vas-y. Non, non, bon, non. Non, on va bouffer. On va bouffer. Mais il y a les travaux partout ici, c'est qu'ils sont en train de foutre. Non, non. C'est la première fois que Max fait un live aussi long. Ouais. C'est la vieille dame. Bien, Nietzsche, normalement, doit venir, non? Ouais, ouais, Bruce, tu viens. Le truc ou pas là? Maman. On bouffe ou pas là? Ça va être mamie, si ça bouffe la devanture, non, calibré? Légèrement, hein? Non, 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 c'est bon, hein? Avance juste un peu. Avance, c'est bon. Hey. Voilà, nous allons vérifier à l'hôtel Sofitel. Comme ça, quand vous venez, hein? Pas le manque, quand même. Pas le manque. La mère Karine dit pas le manque, Phébé. La mère Karine dit pas le manque, Phébé. On y va, alors? Oui, alors. Voilà, la famille, nous allons vérifier à l'hôtel Sofitel. Pas le manque, Phébé, hein? Comme a dit ma mère Karine, ce n'est pas le manque, Phébé. C'est le Sofitel. La police a enregistré la plaque de matériel. Tu as vu comment ils font? Ils font semblant, ils font ça. J'ai vu. De toute façon, qu'est-ce que tu as fait? T'as rien fait. Moi, c'est leur Dieu, hein, comme je viens vous demander. T'as rien fait. Moi-même, je suis allé chez eux, je suis allé vers eux. Ils ont ouvert les yeux, tu vois, parce qu'ils ont regardé tous les trois, tu vois, dans ta boulette, déjà tout dit. Je suis allé vers eux et je leur ai dit ce que je pensais. Bien là, parce que c'est la première information que j'ai eue. C'est là-bas qu'il est. Il n'est pas à deux endroits. Là maintenant, il sait qu'on l'a déniché, qui se prépare en conséquence. De toutes les façons, on va tenir une réunion au QG avant de faire quoi que ce soit. Tu vas voir, si on repasse ça dans une heure, tu vas voir qu'ils vont renforcer la sécurité. Si on repasse ça dans une heure, ils vont renforcer la sécurité. Ah ouais. Ouais, la famille. Ah, vous voyez, nous sommes à la recherche de Kombia. Nous sommes à la recherche de Kombia, mes frères. Là, on va à l'hôtel Sofitel. Pour vous faire comprendre exactement que ce n'est pas là où il est. On sait déjà que ce n'est pas là où il est. De toutes les façons, depuis cet après-midi, j'avais déjà le nom de son hôtel. Le message que les gens de RDP sont envoyés là. Oui, oui. C'était avec le truc de l'hôtel Dieu. Voilà. L'adresse de l'hôtel Dieu. Je t'ai dit qu'il était à l'hôtel Dieu. Parce que quand ils ont commencé tout ça, même avant qu'ils ne se mettent là, j'avais déjà l'information que c'est à l'hôtel Dieu. Rassemblement à 13h. Vous voyez, le Sofitel. Et non, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Nous allons à l'intérieur même. Elle n'a pas peur, mes frères. La peur a changé de côté. Nous sommes à l'intérieur du Sofitel. Bonsoir.
Bah, on vient pour un renseignement. Comme oui. Vous n'allez pas nous le donner, mais on demande quand même. Oui. On voulait savoir s'il y a les chefs d'État les chefs pour d'état la cérémonie de demain qui sont descendus par ici, une partie. Les chefs d'État Non. Le chef d'État camerounais n'est pas ici, pour Podia. Nigeria, Madagascar, parce qu'il y a trois chefs d'État qui arrivent demain. Non. Madagascar, Niger et Camerounais. En fait, moi, je vous savez pas. De toute façon, ils pourraient même pas. Même si vous savez, on sait que vous ne pouvez pas nous donner. Complet. Le tel, il est complet, mais. Voilà, merci. Bah, tu sais, même. Même s'il si le savait, il n'allait pas le donner, quand même. De toute façon, c'est quand même clair. Je sais même dans notre métier, on a le droit. Voilà. Mais seulement si vous le voyez demain matin, vous pouvez lui dire que ses enfants sont là. Ses enfants sont là. Oui, vous pouvez lui transmettre l'information que la brigade anti-sardinaire est là et qu'on va revenir le chercher, mort ou vif. D'accord. Ok. Merci monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, vous êtes gentil. En fait, il y a une partie ici, il y a une partie ici, il y a une autre partie là-bas. Oui, il y a une partie, ils se sont peut-être divisés. La preuve, on est de regarder, c'est quoi ce sont divisés. Vous avez vu, je vais vous montrer que votre Pobia c'est un vampire, c'est un sorcier. Paul Biala c'est un sorcier. Vous voyez, pour déjouer la brigade anti-sardina, voilà ce qu'il fait. Il prend deux hôtels. Voilà comment il gaspille votre argent. Regardez. Il prend deux hôtels. Vous voyez. Vous avez vu, non? Il prend deux hôtels. Ça, c'est camerounais, ça. Et nous sommes au Sofitel. Il prend deux hôtels. Hein? Donc voilà, mes frères, nous étions là. On a la bonne information. On sait exactement où chercher ce type. Il ne peut pas nous échapper. Tu peux prendre autant d'hôtels que tu veux, Paul Biya. Tu peux prendre même 10 hôtels. Prends même 20 hôtels. Oui, je sais que c'est le service de renseignement. Bonsoir, madame. Nous sommes là, hein? on sait, il n'y a pas de souci, on sait qu'il est là, on viendra. Bah, vous inquiétez pas, madame. Vous pouvez aussi les contacter, on sait. Une fois que contrôler nous fait les gestes là depuis. Elle se rend compte qu'on a grillé. Il faut que demain matin. On vient faire le show devant l'hôtel. Si les gars arrivent, avant d'aller sur la place Calibri, moi je crois, pour lui montrer que on sait quand même. On sait, parce qu'il a pris deux hôtels. Oui, voilà. Et mais, je crois forcément, sauf pour nous brouiller les pistes, ne pas mettre la police ici et aller mettre la police à part Dieu, à l'hôtel Dieu. Mais c'est à côté, non? C'est à côté, c'est à moins de 5 minutes des deux hôtels. Ouais, c'est à moins de 5 minutes des deux hôtels. Là, tu as vu les corps diplomatiques, non? Ouais, ouais. Et puis, c'est allez-y, madame. Allez-y. La façon dont vous êtes venu là, vous pouvez écraser quelqu'un. T'as vu comment elle est venue? On dirait qu'il est venu fumer avec quelqu'un. Ah ouais. Les sardinats qui disent qu'où sont la brigade anti-sardinat. Nous sommes là. Nous sommes là. Et nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. Vous avez chanté, dansé, vous êtes parti. Nous sommes là. Ben mes frères, retournez chez Max. On voulait juste partager ça avec vous. Retournez chez Max. Nous sommes sur le terrain. Salut, bonne soirée.